C'est un poil mieux, mais par contre, apparemment, les hauts de gamme, c'est vraiment de la balle. Ouais, ouais, ouais. Moi, je reste convaincu Shimano dans ma tête. Ouais, Shimano, c'est mieux. Vérifie le. Salut à tous les amis, c'est Nico Warren. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous sommes au zoo DH du Fouillou à Saint-Germain-le-Fouillou. Et aujourd'hui on est sur l'organisation qui est faite par Jade et son VTT et tous ses partenariats qui sont actuellement sur place. Enfin pour l'instant il n'y a personne, mais déjà pas mal de choses sont en place. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui tout simplement, vu que je ne participe malheureusement pas à cette compétition, et eh bien je vais attendez, la petite barre pour s'accrocher pour le départ, vraiment pas mal. Eh bien je vais faire tout simplement un tour de reconnaissance et dire ce que je pense du circuit. De base aujourd'hui moi je devais être au single track bike park à côté de Limoges, mais bon, j'aimerais bien faire une reprise quand même avec mon petit Glory, parce que commencer sur un enduro en commensal clash, je dis pas commensal c'est nul hein. Je connais pas du tout l'enduro, j'ai jamais roulé avec. Mais j'aimerais bien reprendre une session avec mes potes et sur mon DH. Donc aujourd'hui je suis venu à Saint-Germain-le-Fouillou pour rencontrer Jade et puis pour voir un peu ce qu'elle a à nous proposer sur cette compétition. Je tiens à préciser que la vidéo sortira que demain soir, en fin de week-end, parce que sinon c'est spoiler le circuit pour les compétiteurs. Donc voilà. Là on commence avec une jolie petite rampe. Suivi de l'aveugle, donc du défoncé, virage à droite. On va redescendre gentiment. Hop là, virage à droite. Attention à vos jantes, les gars. Petit rondin, on dévers, ça fait plaisir. Une petite remontée. Virage à gauche. Là c'est du défoncé, ça c'est ce qu'on aime. Du bon gros défoncé. Bon moi je passe par là, je suis à pied. Hop là, petit rondin, virage à droite, défoncé. Que du défoncé. Ça c'est un gros kiff ça. Là c'est une poudreuse. La terre est sèche. Il a plu mais elle a pas l'air trop collante. Assez poudreuse, assez sablée. C'est du défoncé. Oh putain, ça glisse. C'est du défoncé, des virages relevés. Ça, c'est vraiment beau. C'est beau de fou. Regardez-moi ça, les gars. Oh là là. Je vais défoncer comme ça, là. Avec de la grosse racine. Là, on arrive sur une rampe. Première rampe. Bon, là, il y a un petit échappatoire pour ceux qui veulent. Et franchement, ça a de la gueule. Ça a de la grosse gueule. Ça c'est top. Là du coup. Oh putain j'ai fait. Je vais descendre, j'ai fait me tuer. Wow. Ouais, c'est vraiment pour prendre de la vitesse. Là donc là on a le premier saut. Là on a le deuxième gap. C'est des petits gaps mais c'est bien sympa. Ça en pleine descente là tu prends masse de vitesse. Là t'arrives dans un petit virage avec une petite marche en bois, petit échappatoire pour ceux qui ne passent pas les sauts encore. Petite marche en bois, c'est ça quand même. Virage à droite, ça je kiffe. Oh. Regardez-moi ça, ça s'enchaîne sur deux gaps. Oh, je vais faire mon chapeau. Ça c'est vraiment cool.
Échappatoire à gauche, j'avais pas vu. Échappatoire à gauche, ouais. Échappatoire à gauche avec un petit rondin de bois. On va continuer. Là, c'est un peu de crevasse là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, les trucs creusés par l'eau là, la terre qui est creusée par l'eau. Là, on arrive sur un joli petit pierrier avec des petits rondins derrière. Ça, c'est vraiment propre. Belle organisation, beau circuit. Ce qui annonce une bonne course. Encore les casser, ça c'est beau. Voilà la racine de la poudreuse. C'est beau ça. J'irai relever la vue en bas. Ça descend bien. Ça descend bien, bien, bien. C'est vraiment beau à voir. Vraiment, on a l'impression d'être dans la forêt d'Allemand, dans les Alpes un peu, avec du désert, de la feuille. Regardez, je vous montre un peu la terre. C'est de la poudre le machin. Ça, c'est de la bonne terre. Ça va être poussiéreux, ça va être beau. Alors là, on est sur une partie, j'ai envie de dire bien cassante. Bon, du coup, je vous fais un peu la vue spectateur. Vu qu'on a des petites marches pour remonter là, c'est cool. Là, hop. Non, franchement, le circuit, il n'y a rien à dire. Jade, franchement, bravo. Je te tire mon chapeau. Le chapeau que j'ai actuellement sur la tête, je le tire pour toi. Mais vraiment, moi, je dis chapeau. Là, vous avez le petit dévers. Moi, je vais prendre le chemin pédestre. Putain, ça grimpe. Hein. Ah, déconne pas, Jade, là. C'est ça qu'on aime. Quand c'est casse-gueule, quand c'est cassant. Ah, mais regardez-moi ça. Et première chose qu'elle organise, première course. Et franchement, elle est incroyable. Bon, vraiment, elle est incroyable, les gars. Oh, c'est beau. Bah, merci en tout cas. Enfin, moi, je dis merci. S'il y a des bénévoles, merci aux organisateurs, merci à toi Jade de créer ces belles choses, même si je la roule pas. Parce que bah dans le coin c'est rare. Hein. Enfin, moi personnellement j'ai fait 2h30 de route pour venir ici. Mais franchement, par rapport au travail effectué, par rapport au circuit qui a été effectué, c'est vraiment beau. J'adore, moi personnellement j'adore. Je dis pas ça pour faire plaisir, je le pense vraiment. Par contre ça grimpe. Ah, je suis mort. Je suis en t-shirt, je transpire, je colle. Mais vraiment le circuit, oh putain. Ça me fait chier parce que j'ai pas mon vélo, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore ça moi, les petits sauts comme ça en dévers et tout, c'est mon truc. Oh putain. J'aurais tellement kiffé. Vraiment, j'aurais tellement kiffé. Bon, je sais pas si vous aurez du passage dans cette vidéo. Mais c'est vraiment beau en tout cas. J'aime beaucoup. S'il y a quelqu'un qui fait le tour du Orco aujourd'hui, je pense lui prêter mon casque. Pour qu'il nous montre un peu en vue intérieure. Wow. J'adore ça, mais regardez, il y a des câbles de partout, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment beau. J'ai trop le seum de pas avoir mon bike, putain. Attendez, je remonte par là. Mais regardez-moi ça. Tout pour prendre la vitesse, là je suis sur le point des pieds pour grimper, pour dire mais... Oh, j'ai fait mon sport là. Regardez-moi ces câbles. Vous arrivez dans une partie cassante, vous tirez un gros coup. Oh là là. Les gars qui vont la rouler vont vraiment se faire plaisir. Oh putain. Et sinon je pense que je prêterai peut-être mon casque à Jade. Enfin quelqu'un de l'organisation parce que... Pas trop confiance moi. Une caméra qui vaut assez cher.
un casque signé par des pros. Un casque qui a fait la méga aussi. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est que la méga, ça y est, le mec il sort plus pisser, je sais pas quoi. Mais en attendant, moi je l'ai faite. Parce qu'il y en a certains qui font du DH depuis des années et qui l'ont pas faite. Et encore moins en chainless. Mais bon, pas le bon point de la tête. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Bon. Eh bien, si j'ai le temps de trouver quelqu'un pour faire le tour en caméra embarquée, je vous le ferai faire. S'il n'y a personne, il n'y a personne et la vidéo s'arrêtera tout simplement ici. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Ah, déjà, bon, parce que j'ai trop chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé. J'espère qu'en tout cas, Jade, tu referas des événements comme celui-ci. Parce que le circuit est juste incroyable et j'aurais kiffé le rouler. Pensez à vous abonner, le petit bouton rouge c'est gratuit. Ça fait, on est 285, mais ça fait un peu plus d'un an qu'on stagne. C'est un peu dommage parce que je prévois de faire des beaux projets. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais c'est pour que le meilleur arrive derrière. Donc pour me soutenir, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram et Jade qui seront en description. Enfin, on sera tous les deux dans la description pour ceux qui veulent nous suivre sur Instagram. Allez l'encourager aussi dans ses projets parce que pour créer ce genre d'événement, c'est juste incroyable. Et puis voilà. Et vraiment, chapeau. Allez. Ouais, il y a les deux petits derrière. De bien vouloir ramener son certificat aux engagements. Merci.
Ça tartine. Oula. Oula. J'ai juste trouvé. Ah putain, j'ai trop bien. Eh, semi-rigide les gars, faut quand même avoir un culot pour le faire en semi-rigide. Mais ça, dans quelques mois, ça sera des très bons pilotes.
commencer en semi-rigide sur la descente, ça c'est bon. Je sais pas qui c'est, mais il roule fort. Ah, c'est il est sifflant. Les amis, il y a une biche juste en dessous de moi. Je vais essayer d'aller la voir. Pas faire de bruit parce que. Parce que je voudrais pas lui faire peur. Mais je suis sur un moment très rare de ma vie. D'être aussi près d'une biche. Allez, juste devant moi là-bas. Je vais essayer d'aller voir ça de plus près. Sans faire trop de bruit. Si elle m'entend. C'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était un chevreuil. Mais ce que je viens de voir, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi près d'un animal. J'ai fait le minimum de bruit pour essayer d'aller la voir. Je sais pas si elle est encore en bas. Au début, en fait. Au début, je pensais que c'était quelqu'un. Elle doit être quelque part en bas dans la forêt, mais au début je croyais que c'était quelqu'un qui faisait du trail, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de coureurs qui venaient dans le coin. Je sais pas si on la verra sur la vidéo, mais je l'espère vraiment. C'est même pas une biche, c'est un chevreuil, ouais, voilà. Donc j'espère qu'on le verra sur. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est en fait. Soit une biche, un chevreuil, mais c'est vraiment beau à voir. Je voulais m'approcher pour aller la voir parce que je savais pas comment zoomer sur ma caméra et ça se trouve. Entendre pas le truc, faudrait que je m'achète un appareil photo. Mais ce genre de moment. Mais comment c'est magique! J'ai juste pris le passage piéton. Enfin, l'accès piéton là pour la DH du fouillou. Oh là là, ça valait le coup de venir là. Ça, un beau circuit. Ce que je viens de voir là, je m'en souviendrai. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, j'espère que vraiment que la vidéo vous aura plu. J'aurais pu passer par là, je suis trop con. Mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment beau à voir. Vraiment, vraiment beau. Putain, la luminosité. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a fallait. Bon. Bah, j'espère que vous l'auriez vu quand même parce que ouais, c'était beau, c'était vraiment beau. Bon allez, je vous dis à la prochaine, c'était Nico Rain, ciao.